Bonsoir, c'est Rétrobail les gens. Oui, Rétrobail, on adore ça. Avec les boîtiers qui font laguer les jeux. On adore, on est fan. Mais surtout, la musique est un peu forte. Qu'est-ce que c'est que ce truc à RA5? Attendez, je mets le suivant. Ah, Zoo Cube. Ça, c'est mieux. Et donc, oui, Rétrobail. Donc, on est toujours à l'âge PS2 de ma life, et puis à l'âge PS2 de la life de beaucoup de gens, je pense, hein, puisque là on va attaquer l'année 2004. Alors, comme d'habitude, hein, alors Rétrobail, hein, je retrace mon parcours vidéoludique, machin truc, de la NES à la GameCube, en passant par plein de trucs cool. Et comme sur PlayStation 2, je me souviens plus vraiment de tout, des dates auxquelles j'ai eu les jeux, à part quelques-uns, et ben je les ai triés par année de sortie. Donc là, nous sommes en 2004. J'ai 20 ans, tout fraîchement en 2004. Le genou, hein, je crois que j'avais les cheveux bleus en 2004. Il me semble que j'avais les cheveux bleus. J'ai pas de petite photo de 2004. Attendez. Je vais voir ça, non? Je sais pas ce que c'est que cette OST, mais... Ah, j'ai pas de... Pas de photo de 2004. Moi avec les cheveux bleus. Ouais. Bref, c'est ma première année de fac. Et l'avant-avant-dernière. Non, et là. Et l'avant-dernière. Non, et l'avant-avant-dernière. Enfin bref. En culture et communication. Parce que je ne savais pas où aller. J'avais un bac L, je pouvais pas faire grand chose. Donc je découvre la fac de lettres, plein de trucs. Trop cool la première année, on peut encore fumer dans les couloirs. Je suis un gros clopeur à l'époque. Plein de choses, plein de choses. Et il se passe plein de choses en 2004. Mais ah! Attendez, mais non. Enfin si, il se passe plein de choses en 2004, mais pas que. Donc en 2004, il y a des jeux auxquels on va jouer qui sont sortis. Un petit jeu de course, Burnout 3, un jeu du cœur, hein, un jeu de course du cœur. Hein. Après j'ai plus jamais pu jouer à un autre jeu de course à part les Burnout. Tellement on s'est passé des soirées avec les potes là-dessus, mais c'était je rentrais vraiment dans l'ère fac de ma vie où on glandait rien, on faisait que jouer, fumer, se défoncer la gueule, et on foutait rien d'autre de la vie. Et c'était trop bien. Et j'avais des bourses. C'était trop bien d'être boursier. Donc Burnout 3, hein, qu'est-ce qu'on s'est tapé là-dessus. Et puis on joue c'est à la 64 avec Smash Bros. Et GoldenEye et Tutti Quanti, bien sûr. Aussi un autre jeu qui est sorti en 2004, mais auquel j'ai joué bien plus tard, bien évidemment. Final Fantasy X2. Pas enfin, bien plus tard, non. J'ai pas joué si plus tard que ça. Je crois que je l'ai acheté après le 10. Donc, oui. Donc, voilà. on se remettra dedans pour voir ce qu'il en est. Parce que j'ai pas des souvenirs de ouf. J'ai pas été jusqu'au bout. Alors, je me suis arrêté en cours de route. Peut-être qu'on peut reprendre ma game. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Ce serait intéressant. Et puis... le best game ever, de quoi Burnout ou FFX2? Je tiens à préciser que je suis très fan de FFX2, même si c'est un nanar. Ah bah c'est, d'après ce que je me souviens, c'est extrêmement girly. Girly nanar, ouais c'est ça, ouais. Mais il y avait des trucs intéressants au niveau du gameplay qui m'avaient bien accroché, qui m'a accroché. On va dire que c'est le scénar qui m'a cassé le cul, quoi, en fait. Ouh là là, c'est fort ça. On va dire que dans FFX2, voilà, c'est plus... Je trouvais l'idée de base que Tidus soit en vie quelque part, ça me cassait le cul parce que ça ruinait la fin parfaite de Final Fantasy X. Donc le scénar m'a pas accroché. Mais le gameplay, je me souviens des voilà, il y a les tu peux changer de vêtements et ça te fait changer de classe et t'as différents différentes attaques en fonction des classes que tu changes. Enfin bref, c'était assez sympa comme nouveau système, comme à chaque fois dans les FF encore à l'époque, hein, les nouveaux systèmes étaient toujours très très sympas. Et voilà, et surtout en 2004, bon, fin de l'année 2004 bien sûr, et celui-là
J'étais forcément en gros fan que je suis, et surtout après m'être pris une claque avec le premier du nom, et bien forcément que Day One, on y est dessus à fond dedans, le fameux DBZ Budokai 3 auquel on va jouer ce soir, et qui est vraiment un énorme coup de cœur, hein. C'est un énorme, à l'époque c'était un énorme banger, et ça l'est encore pour beaucoup de gens, encore à l'heure actuelle, c'est le meilleur jeu DBZ de l'époque. Alors de l'époque oui, mais bon après moi il y a eu les Sparking qui m'ont plus attiré. Mais putain, ça pareil, qu'est-ce qu'on y a joué avec les potes, hein. Oh là là là. Des soirées à se transformer en Super Saiyajin 4 pour se foutre sur la gueule. C'était incroyable. Et donc il est sorti pas longtemps avant Noël, je crois, en 2004. Et donc du coup j'étais déjà dans ma deuxième année de fac. Et ce qui était bien dans ma deuxième année de fac, c'est que j'ai pris un petit appart, un studio mansardé de 10 mètres carrés, une chambre de bonne, quoi, une ancienne chambre de bonne, dans un coin excentré de Nancy, parce que je faisais mes études à Nancy. Parce que j'en avais marre de faire les allers-retours en bus, parce que j'étais à 30 km en bus. Donc c'était la première année, ça a été relou à cause de ça. Je revenais trop tard le soir, il fallait que je parte super tôt le matin et tout. C'est vraiment une tuerie. Donc du coup, avec mes bourses, j'avais assez pour me prendre un petit studio vraiment dégueulasse. Donc je l'ai fait, bien sûr, l'indépendance, la glanderie. Et putain, j'ai passé tout mon hiver sur ce putain de jeu. Parce que c'était assez déprimant, l'ambiance n'était pas fifou. J'étais plutôt seul. Même s'il y avait des potes qui venaient souvent, mais pareil, ils n'étaient pas basés sur Nancy même, donc c'était compliqué. À l'époque où j'ai eu mon appart trop tôt par rapport à mes potes, qui eux sont arrivés un an ou deux après dans la ville, et du coup, par les études, tout ça et tout, et du coup j'étais un peu seul là-bas. Donc c'est un petit peu, voilà. Mais du coup, ça, c'est énorme souvenir aussi, parce que quand j'étais dans mon appart là, justement, j'avais pas pris mon PC avec moi, hein, j'avais pas la place pour le mettre, ni j'avais pas de connexion internet ni rien du tout, donc le PC il restait chez ma mère, donc j'avais accès au PC uniquement le week-end, et par contre j'avais une ancienne télé qui marchouillait et que j'avais dans ma piole à l'époque, et du coup j'avais emmené, bien sûr. En fait, je m'étais fait juste une petite piole à 30 km de là où j'habitais avant, quoi. et du coup, j'avais pris tous mes DVD, toutes mes VHS, tous mes jeux, et je me butais sur les jeux vidéo, parce qu'en plus, j'avais redoublé ma première année comme une grosse... Alors, pas comme une grosse merde, parce que j'aurais pu l'avoir, cette première année. Pourquoi je ne l'ai pas eu ? À ça, vraiment, à 0 et quelques, à 0, et quelques points, j'aurais pu avoir ma première année, parce que... Alors j'avais une option qui avait un bon coefficient, qui était BD Société, ça s'appelait, et j'aimais beaucoup. On faisait de l'analyse de BD, tout ça et tout, et j'avais rendu un devoir sur une analyse de Tintin au Congo, bien sûr, que je m'étais bien pété pour la faire. Je l'avais rendu, j'avais été malade le jour où on devait le rendre, donc je l'ai rendu en retard. Et le prof m'a dit, t'inquiète, y a pas de souci, ça comptera quand même pour le semestre et tout, ça comptera quand même pour ton année, y a pas de problème, je vais pas te pénaliser, surtout que j'avais eu 16, quoi, donc j'avais fait quand même un très bon devoir. Et quelle surprise, étant que je n'ai pas trouvé cette note dans le relevé des notes à la fin de l'année, donc il me l'a pas mise. De pute. Et quand j'ai calculé la moyenne, il se trouve que ce malheureux 16, il changeait des choses, il changeait le fait que voilà, ça me grappillait les quelques pouillèmes de points qui me fallait pour passer en deuxième année. Donc j'ai eu des grosses glandes parce que j'avais validé toutes mes autres UE et tout ça et tout. Et donc j'ai dû redoubler juste pour revalider un truc parce que à l'époque, je n'avais pas l'information que il y avait des rattrapages en début d'année. Donc je ne suis pas allé au rattrapage parce que je n'en connaissais pas l'existence. Et à l'époque, il y avait moins de
Vous avez une rage incroyable. On n'était pas sur internet tout le temps. Enfin, il n'y avait pas toutes les infos sur internet, tout ça et tout. C'était vraiment, tu devais aller te renseigner à l'administration de la fac et tout ça et tout. Et voilà quoi. Et c'est des trucs. Enfin voilà, tu te démerdes par toi-même et t'as pas d'internet pour t'aider là-dessus quoi. Donc voilà. Donc j'ai redoublé cette année-là. Comme une merde, et donc j'avais qu'une UE à repasser, et ça me cassait les couilles, et du coup, j'avais quoi, je devais avoir même pas 10 heures de cours par semaine, quoi. C'était vraiment, voilà, quoi. Mais c'était trop éparpillé dans les journées pour que je puisse vraiment prendre, un boulot ou des trucs comme ça, donc, je glandais, quoi. J'ai pas validé l'année. J'ai redoublé une troisième fois après. Enfin, une deuxième fois après. Mais c'était l'année de trop, j'en avais ras le cul. Et après, j'ai arrêté en cours de route parce que c'était pas pour moi. J'ai toujours détesté les études. Donc, ça m'a pas réconcilié avec, quoi. Je ne comprends pas comment on aime Dragon Ball. Et c'est à ce moment-là que Jeannot finit dans la cocaïne et les prostituées. Non, pire à penser à être sur YouTube. Bah non, pas du tout, parce que YouTube, ça n'existait pas à l'époque. Et les YouTubeurs encore moins. Et non, on regardait des conneries sur Internet, on regardait des conneries sur Internet, mais c'était plus Rotten, des trucs comme ça. Des animations flash, des trucs. Je sais pas si les Newgrounds, ça existait déjà à cette époque. Que j'allais voir plein de petites animations flash à la con, les gens, les Xiao Xiao, les trucs comme ça. Ah, si, ça existe déjà, Newgrounds. Je devais aller sur Newgrounds alors aussi, très certainement. Plein de trucs. Hein. Et puis aussi, le forum mangamite.fr, sur lequel, justement, je dévorais la moindre news sur ce jeu, à propos de ce jeu. Et après, ça a été. Jusque facile 2010, je crois que j'ai pas arrêté d'aller sur ce forum. Et en tant que lurker, bien évidemment, tout ce que je faisais sur internet c'était du lurking. Et la plupart. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce forum qui est décédé récemment, mais qui a été ramené à la vie encore plus récemment par un ancien utilisateur. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a plein de trucs là-dedans. Enfin voilà, c'est le moindre jeu DBZ. J'étais le moindre actu Dragon Ball, tout ça et tout. J'étais là à fond là-dessus. J'adorais ce forum. Donc un petit SO au mangabit.fr et à Genki, à Tolonku, à tout ça quoi. À tous les gens qui tenaient le forum. C'était une super aventure. J'adorais ce forum. Et qu'est-ce que je faisais sur internet aussi à cette époque-là? Pas grand chose, mais parce que j'avais un groupe de musique, hein, donc vous le saviez. Donc j'utilisais internet pour aller sur. Je sais pas si MySpace existait déjà. En 2004, je crois pas. Ah si, peut-être que ça. Ah si, ça existait. Ça a été créé en 2003. Ça existait en 2004, puisque je crois que c'est là que j'ai créé le MySpace. Parce que j'avais posté des trucs sur le MySpace. Ouais. Parce que c'est là que j'ai commencé, c'est grâce à MySpace que je commençais à trouver des dates de concert, enfin des salles pour faire des trucs, des tremplins pour espérer jouer dans des salles intéressantes et imposantes pour se faire une petite expérience aussi. Et aussi que je suis rentré en contact avec plein d'autres groupes de ma région. Avec qui on a pu organiser des petits trucs aussi dans des bars et tout. C'était surtout ça, Internet. Et puis, le téléchargement de conneries, hein, d'animé, hein, avec les fansubs et tout. J'ai redécouvert les animés et les VO à ce moment-là. Et que j'ai redécouvert Dragon Ball et Dragon Ball Z en VO ces années-là, grâce au téléchargement et au team de fansubs. Et surtout aussi, je téléchargeais beaucoup de partitions en MIDI pour Guitar Pro 4. J'étais sur Guitar Pro 4 pour les compositions, pour les reprises, tout ça et tout. Et je piratais énormément aussi, bien sûr, de la musique. Hein. Comme un fou,
parce que j'avais pas les moyens d'acheter les CD, bien sûr, et les films aussi. Alors, enfin, c'était vraiment une la période. T'avais des petites connexions, ça commençait un petit peu à. Je crois que j'étais déjà en ADSL à ce moment. Oui, j'étais déjà en ADSL à ce moment-là. Mais le moindre truc, je pouvais voir des concerts en vidéo, je pouvais télécharger tout ça et tout. Enfin, tout ce qui était capté, je téléchargeais. Enfin, les films aussi, c'était pareil. Je me bourrais, puis j'avais le temps, hein, comme j'étais à la fac, tout ça, que j'étais un branleur. J'avais le temps de me goinfrer de tout ça. Donc je me goinfrais allègrement. Hein, c'était vraiment. C'était des bonnes périodes. Et puis je commençais à aller un peu mieux dans ma tête aussi, surtout grâce à la musique, et essentiellement, bien sûr. Je passais mon temps, voilà, à composer, écrire. Surfer, mater des conneries, me goinfrer de contenu audiovisuel, comme on dit maintenant. Soit des films, des jeux vidéo, des animés, tout ça, c'était vraiment... J'ai énormément de tendresse pour cette époque de ma vie, même si... Bah, niveau thune, niveau taf, niveau tout le bordel, niveau avenir, c'était pas top. Stupide vidéo. Je crois que c'était abruti.com. Là où on allait. Mais je sais pas si ça existait, abruti.com, en 2004. Je sais pas si on peut retrouver des traces. Qui se souvient d'abruti.com? Ah si, peut-être bien. Hein. Peut-être bien que c'était en ligne déjà à cette époque. Et c'est là-dessus qu'on avait découvert les vidéos de Rémi Gaillard, les trucs comme ça aussi. Et Afro Ninja aussi. Qu'est-ce que ça nous avait fait marrer, Afro Ninja, putain. Et Internet is for porn. Ah bah bien sûr, le porn, bien sûr, c'était... On découvrait qu'on pouvait aussi accéder à ça plus facilement qu'à l'époque, puisque avant, il fallait avoir accès au porno via Canal+. Donc le plus souvent ça passait par du trafic de VHS en cours de récré avec le pote qui lui avait le décodeur et qui fournissait tout le monde. Et puis bah moi en petit malin, j'avais deux magnétoscopes, donc je ripais les VHS. Donc je refournissais par des... Et pourtant tu ne téléchargeais pas une voiture. Eh oui, eh oui. Bonsoir Léo Kanoshi. Mais ouais, c'était une période intéressante de la vie. Et je m'imaginais déjà Rockstar, j'étais persuadé que ça allait marcher. Ça aurait marché si les gens avaient pas abandonné. Mais bon, après avoir trimé pendant 10 ans, et que ça n'allait nulle part, ça marchait moins bien que ma chaîne YouTube actuellement, hein, donc c'est vous dire. Hein, donc... C'était compliqué. Tu pouvais aller chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Oui, et c'est aussi... Je crois que c'est aussi en 2004 que j'ai eu mon premier téléphone portable. C'était un Nokia... Je l'ai encore quelque part, un petit Nokia. C'était pas un 3310, c'est un 3210, je sais plus. Attends. 3210, il est comment le 3210? Je crois que c'était un 3210. Ah non, c'était pas un 3210. Pardon. Le 3310, il est comment? Ça ressemble plus à un 3310. Ouais, ça devait être ça. Oh là là. Puis vous vous souvenez, pour écrire les SMS, il fallait appuyer sur... C'était comme... Oh là là. C'était un 3410, peut-être. Non, ça devait être un 3310. Je pense que c'est le téléphone que tout le monde a eu, de toute façon. Et ouais, c'était avec un forfait à la con, pareil, mais c'était chez un marchand de journaux que j'avais pris le truc, effectivement. Et ouais. Mais tous mes potes avaient déjà des téléphones depuis quelques années, quoi. Moi, je me souviens, quand j'étais au début du lycée, j'avais des potes qui avaient déjà des... Ah, ça s'appelait... C'était comment leur téléphone? C'était des Triumph? Non, c'était leur scooter. Non, c'était les téléphones, les Triumph. Je crois, hein. Ah non, c'était les scooters. C'était quoi leur télé? Ils avaient des téléphones Trium? Je crois que c'était ça. Téléphone à clapet, là. Je crois que c'était ça. Mais ouais.
Et moi j'ai dû attendre, j'ai attendu, c'est des trucs que je voulais pas ça, le téléphone moi. Le téléphone portable, puis en plus bah, tu pouvais même pas aller, enfin tu pouvais aller sur internet, mais ça douillait, c'était de la merde quoi. Il y avait un petit écran, c'était encore plus petit que l'écran de la Game Boy Micro. En noir et blanc là, putain. Moi j'aimais bien, c'était mon beau-frère, il en avait un de téléphone, tu pouvais composer les sonneries. Et je trouvais ça trop bien, moi j'en voulais un comme ça, mais je trouvais pas. Téléphone, tu peux composer les sonneries, c'était trop bien. Je passais des heures à lui composer des sonneries. C'est génial. Bon, c'était ultra limité, bien sûr, quoi, mais... J'ai aussi cette ambition avec mon groupe, croisant les doigts. Ah bah, je te le souhaite. Je te le souhaite. Moi, à chaque fois que je vois des petits jeunes qui font de la musique, ou que je sors à la fête de la musique, ou des trucs comme ça, que je vais en... Ça me fait toujours un petit... C'était bien. Et ça fait 15 ans que j'ai pu toucher un instrument, que j'ai plus rien composé, que j'ai plus rien. Le nom c'est Amantis. On bosse à fond sur notre premier projet actuellement. On a un Insta pour l'instant. Ah c'est j'ai du mal d'imaginer ce que ça peut être maintenant de faire ce genre de truc, parce qu'avec internet tu peux tout de suite avoir accès à plein de choses, tu peux filmer des trucs et les mettre sur YouTube, t'as tous les réseaux sociaux et tout pour rentrer en contact avec les autres groupes, avec les organisateurs, avec plein de trucs et tout, enfin ça doit être vraiment je dis pas forcément plus facile, parce que du coup il y a de plus en plus de gens qui doivent faire ça aussi, mais il doit y avoir de plus en plus, il y a de plus en plus d'artistes. C'est exponentiel avec l'outil qui démocratise tout. Mais c'est... J'ai du mal. Moi, à mon époque, où il y avait juste MySpace et basta. Et qu'après, il fallait aller démarcher. Enfin, je me souviens, on avait réussi à enregistrer une démo. Quand est-ce qu'on a enregistré la démo, je sais. On fait notre petite maquette, je sais plus, ça devait être ouais, 2005-2006, un truc comme ça. Et ou peut-être avant, je sais plus. Et mon meilleur pote qui était le bassiste, il était graphiste, donc il avait fait la pochette et tout, qu'on avait imprimé à la maison, donc ça rendait rien du tout, c'était dégueulasse. Et puis j'en avais imprimé plein, et j'allais faire le tour des bars et des trucs et tout, et je laissais des démos et tout, enfin voilà. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. Parce que même si t'avais un MySpace, bah tout le monde allait pas sur MySpace forcément, quoi. Mais après, c'est vrai que via les forums, c'était quand même beaucoup plus simple pour communiquer et tout. Et il y avait le petit lien vers le MySpace. Parce que j'avais aussi fait un site en 2004. Alors je sais plus si c'était en 2000. Ouais, si c'était en 2004 que j'avais fait. J'avais fait le site web pour le groupe. Premier site web que j'ai fait de ma vie. À 20 ans. En y connaissant absolument rien du tout, et c'était sur un site lycos.fr, je crois, ou un truc comme ça. Mais l'URL du site était ultra longue. C'était imbitable, alors si bien que quand tu voulais partager le truc, bah pff, voilà quoi, c'était une URL infinie, donc forcément c'était pas génial quoi. Et du coup quand MySpace est arrivé et qu'il y avait ça, je suis oh putain c'est beaucoup mieux. T'as une page pour ton groupe, voilà, l'URL est skinny as fuck, et c'est beaucoup plus simple de marquer ça quelque part et de dire bah c'est sur MySpace, tu cherches pouf le nom du groupe et puis c'est bon, tu l'as. Ah là là. C'est le seul réseau social que j'acceptais à l'époque, MySpace. Parce que ça me permettait, voilà, ça me servait à quelque chose quoi. C'est pareil quand je me suis lancé sur YouTube, bah voilà quoi, les réseaux sociaux ont fini par servir à quelque chose, même si c'est dur. Et Amantis, vous faites quoi comme musique du coup? Maintenant, il y a plein d'assos qui mettent en avant des petits artistes. Ouais, c'est bien, ça, c'est cool.
Rien que le fait que tu les appelles les jeunes prouve que tu es vieux. Non mais attends, quand c'est des ados de 15 ans, je peux pas dire autrement que les jeunes, quoi. Je suis désolé. Et après, le groupe, il s'est lancé dans des carrières solo. Non, bah, en fait, ça s'est arrêté quand... En fait, on avait galéré, on galérait parce qu'on était dans un petit patelin. Hein. Les batteurs, ça courait pas les rues, genre il y en avait deux. Voilà. Et on avait du bol, quoi. Et c'était aussi un pote, donc du coup, c'était simple. Mais bah, la vie l'a appelé ailleurs, donc il pouvait plus, il s'est barré à l'étranger. Et donc, on s'est retrouvé avec mon meilleur pote, le bassiste, donc, et on était là, bon... Est-ce qu'on regalère encore des années à trouver un batteur? Parce qu'en plus, c'était devenu tellement bien, on était en osmose et tout, enfin, c'était trop cool, on composait plein de trucs, on avait peut-être une bonne grosse dizaine de compos, quoi, peut-être même plus. Oh non, plus, on en avait plus. Une quinzaine, peut-être. Et ça se passait trop bien, on commençait à faire des concerts, à tourner dans la région et tout, enfin, c'était trop cool, puis on kiffait, quoi. Mais bon, il a dû s'en aller, et du coup on s'est retrouvé sans batteur, et on s'est dit, putain, mais si on doit galérer encore à trouver un batteur, et puis là ce sera pas... Il n'y en a pas d'autres de potes batteurs, donc il faudra redévelopper, parce que moi c'est ce que je voulais, je voulais qu'on soit un groupe de rock, mais je voulais aussi avant tout qu'on soit des potes, quoi. Pour pouvoir vraiment, parce que j'ai même pas trop ce délire de voilà, je suis Zico, c'est je peux jouer n'importe où, donnez-moi une partition, voilà. Moi je voulais pas, c'était pas faire de la musique pour faire de la musique, c'était pour faire de la musique pour partager des trucs avec des gens et m'éclater avec eux, quoi. Et avec des potes, c'est encore mieux, quoi. C'était surtout le principe, voilà, quoi. Je voulais m'amuser avec ma bande de potes et voilà, quoi. Et donc c'est devenu ouais, bon bah il faut un autre batteur, après il faut qu'on s'entende bien avec, il faut qu'il désaccroche, et c'est comme une relation. Moi c'est pour ça que j'ai toujours comparé cette période de ma vie musicale à une relation sentimentale, parce que c'était ça, quoi. C'était c'est comme une rencontre amoureuse, comme plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, le sexe en moins bien sûr, mais le sexe c'est la musique que tu fais avec les gens, et du coup c'était compliqué de redévelopper une relation aussi intense avec un inconnu total, quoi. Et là surtout que t'es dans le stress de devoir trouver un batteur avant de trouver un pote. C'est ça aussi qui me posait problème, tu vois. Je voulais pas trouver un musicien avant de trouver un pote, un mec avec qui je m'entende bien, avec qui on s'entend bien, bien sûr. Donc c'est là que j'ai dit, bon, écoute, j'ai passé 10 ans à faire ça, là j'ai la flemme, j'en ai marre, c'est une voie de garage. Puis en plus j'avais toute la pression sociale à côté, voilà, t'es un branleur, t'arriveras à rien, machin, tout ça. Les gens autour de moi qui me voyaient prendre de l'âge, en restant dans cette direction-là, et en voyant que ça ne marche pas. Vous savez, c'est toujours, voilà, quand t'as des ambitions d'artiste, on va dire, entre guillemets, enfin d'évoluer dans un on va dire d'évoluer dans des métiers culturels, c'est toujours on te regarde toujours avec admiration quand t'es jeune, mais plus tu prends de l'âge et plus tu deviens une sorte de cassos bizarre aux yeux des gens. Donc ça aussi ça pesait pas mal, et puis voilà, quoi, je pouvais plus, fallait que je trouve du taf, fallait que je me réoriente, quoi, carrément, quoi. Donc après il y a eu les années Pôle emploi, il y a eu c'est réorienté dans l'informatique, mais c'était difficile parce que je pouvais pas, les écoles elles voulaient pas de moi parce que j'avais un bac L et tout, donc il a fallu que je fasse des formations pourries tout ça pour pas trouver de boulot en fin de compte, et puis devenir youtubeur, voilà. Quel parcours, hein. Ouh. Alors, attends, tu m'as répondu, j'ai pas... Ce serait pas simple vu les genres musicaux de niche qu'on compte faire. Ah oui, d'accord. J'ai 19 ans, merci de me rajeunir. non, mais je parlais pas de ça quand je parlais pas de toi quand je parlais des gens de 15 ans. Je parlais des jeunes que je voyais faire du rock à la fête de la musique ou des trucs comme ça. C'est souvent des jeunes, quoi. Entre 15 et 20. Et ça me rappelle cette période de ma vie, justement. Puisque en 2004, j'avais 20 ans quand tout ça a commencé à prendre.
On a trouvé notre batteur récemment. Bah GG, c'est cool ça. Je sais pas s'il sait que c'est de la musique avec les jambes, mais en tout cas, je sais faire décrocher les notes les plus aiguës. Ah non, je peux t'assurer que franchement, les sensations les plus intenses que j'ai vécues dans ma vie, c'est parmi les plus intenses, il y a faire de la musique avec des gens, quoi. Mais mais ouais, créer des trucs et surtout. On se faisait beaucoup, on aimait beaucoup se faire des sessions bœuf où on partait dans des ambiances, des trucs et tout. Et ça, c'était vraiment, on décollait. Moi, je me souviens, on décollait vraiment en chaque répète avec ces trucs-là. C'était trop cool, quoi. On faisait des trucs très basiques, quoi, si tu veux. Parce que bon, forcément, quand tu veux faire de l'impro, tout ça et tout, mais ça nous permettait de nous connecter aussi. Et c'était vraiment des expériences très très intenses. De trips musicaux, c'était très, moi à l'époque là j'étais à fond dans Sigur Rós, des trucs comme ça et tout, donc c'était ultra trippant, quoi. Et ça fait partie des émotions les plus fortes que j'ai ressenties de ma vie. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est notre bassiste qui a trouvé notre batteur. Quand j'ai rencontré, je me suis rendu compte que c'était un pote d'enfance. Oh, c'est trop cool, ça, c'est trop bien. En espérant qu'il n'a pas trop changé et que maintenant. Ah, parce qu'on sait jamais avec les potes d'enfance. Ah, c'est dangereux, hein, c'est qui tout double, hein, les potes d'enfance. Après, je vois pas énormément de groupes qui ont mon âge. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être que c'est un truc qui s'est un peu perdu, ça peut être aussi, je sais pas. Parce que c'est vrai que. Ouais. Maintenant, on est plus sur. Les artistes sont plus sur des prods. À la maison, quoi. On va dire, avec l'hégémonie du rap, du hip-hop, tout ça, on est plus sur... On est plus trop sur... La méta un peu punk rock d'avant, où t'es ado, tu fais ton groupe, tu vas jouer à la fête de la musique ou les trucs comme ça. C'est vrai que maintenant, voilà, c'est plus... on va mixer, on va poser... On va poser nos voix sur un son, un truc comme ça, c'est ouais. Il y a peut-être plus ça que groupe de rock ou groupe tout court, quoi. Maintenant, les sensations, c'est plutôt Bob Ross. Bah arrête, je continue. Moi, j'écoute Bob Ross. Hein. Il fait des streams régulièrement. Moi, quand je bosse, j'aime bien un petit Bob Ross quand je bosse. En plus, ça rime. De plus, les groupes d'avant sont plus... Et les chaînes Twitch, YouTube de maintenant... Hein? J'ai pas compris. Bien un art comme moi, vu notre bassiste l'a rencontré en manif, donc il est toujours aussi sympa. Cool, cool, cool. Alors c'est bien, parce que des fois, tu sais, tu rencontres quelqu'un que t'as pas vu depuis 10, 20 ans, 30, et puis... Ok, Front National. D'accord, très bien. Bah écoute, au revoir. On va garder nos souvenirs, et puis... on va chacun reprendre notre truc, quoi. Ça peut se barrer comme ça aussi des fois, on sait jamais. Enfin bref, je suis parti, voilà, on est sur Retrobuy, et ça c'est parler de jeux vidéo, je suis parti dans toute autre chose. Donc, je vais redresser les choses. Budokai 3, les gens. Avec la PlayStation qui ronronne. Et la musique qu'on va couper sur le champ. Attention, pfiou, regardez comment j'ai changé le bazar. En plus, tu es vraiment la génération Beru. Qui c'est à moi? Non, les Beru, c'était avant. C'est la génération X, les Beru. Mais bon, c'était encore, voilà, c'était encore des trucs qu'on écoutait à l'époque là, quoi. Comme Nirvana, comme plein de trucs, quoi. Même si Nirvana, voilà. C'est plus ma génération, Nirvana. Je sais, quand j'étais au collège, ouais, j'écoutais Nirvana, Offspring, plein d'autres trucs. Puis au lycée, je me suis mis à des trucs un peu plus, voilà, Deftones, System of a Down, du métal plus violent, comme des trucs... comme ces putures, des machins comme ça.
Donc français, on veut jouer en français. De quel trois jeux de mon enfance? Eh bien, comme je le disais au début, moi c'est. Alors attendez, il y a l'intro, je parlerai après. Forcément. Il n'y a que l'intro qui est en japonais, c'est ce qui m'a dégoûté sur ce jeu, parce qu'il y avait les voix japonaises sur Budokai 1, souvenez-vous. Et là, sur Budokai 3, on a eu putain de doublage anglais de merde. À part l'intro. Qu'est-ce que je vais manger cette intro, putain. Féline. Je recrope un peu. Ça, c'était vraiment le pic de Budokai là. J'avais pas fait Budokai 2, j'étais complètement passé à côté de Budokai 2, je sais pas pourquoi. Mais bon. Parce que c'est à partir de Budokai 2 qu'ils ont trouvé leur style cel shading là. C'est aussi le début du cel shading, un peu ces périodes là. Même si on avait déjà eu dans des jeux avant, bien sûr. Mais c'est le moment là où ils se sont dit tiens, les jeux d'animé, si on les faisait en cel shading pour rendre vraiment faire un rendu animé. Bah oui. Et sans Budokai 3, pas de Budokai Tenkaichi et surtout pas de Dragon Ball FighterZ. Hein. Et pas de... voilà. Et puis surtout, c'est... Ah putain, ça va jusque Dragon Ball GT. Le Super Saiyan 4. Le Fluffy Saiyan 4. Et cette OST à côté de la plaque. Mais bon, c'est pas grave. Je me souvenais plus. Ah, on va faire une nouvelle partie. Ah putain. Alors voilà, tout est en anglais. Parce que la version française du jeu est sortie avant la version japonaise. Mais genre 4 mois avant, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que notre version elle est basée sur la version US et pas sur la version japonaise. C'est pour ça qu'on n'a pas les voix japonaises. Par contre, après, l'année d'après, je crois. Hey, it's me, Goku! Putain, je déteste ça. Je déteste les versions anglaises, les versions américaines des mangas, je déteste ça. Par contre, ils ont sorti une version collector, soi-disant, l'année d'après. Et cette fois-ci, sur la version collector, t'as les voix en japonais. Mais il fallait repasser à la caisse, quoi. Et se foutre un petit peu de la gueule du monde, quoi. J'avais regardé ces menus animés, tout ça, avec les personnages et tout. Oh là là, c'est trop bien. Tu veux qu'on voit Katakon Alchimiste? C'est bien celui où il faut écrire dans le carnet où tu deviens un chinois. Non, tu peux mettre les voix en japonais. Non, pas sur l'original. Pas sur l'original. C'est sur la version collector. Pourtant, j'ai la version classique. Ah ouais? J'ai jamais vu ça. Non. Y a pas les voix. Ah. C'est la version collector que tu dois avoir. Ah, c'est facile, on va mettre en normal quand même. Mais je vais me faire roster le cul, mais bon, c'est pas grave. Hein. Les Anglais savent pas doubler, une tradition depuis 25 ans. Ah, c'est clair. Oh, c'est tellement vrai. Ils savent juste doubler les films d'animation qui sont... Enfin, c'est pas du doublage puisque c'est l'acteur qui joue et après les animateurs, ils basent les personnages et les mouvements des personnages et leur jeu sur le jeu de l'acteur. Donc c'est pas vraiment du doublage non plus. Quoi, donc, Oui, ton cosmos, c'est la game. Comment on différencie les deux? Alors je ne sais pas, j'ai jamais eu la version collector, mais la version collector elle a cette option voix japonaise en plus. Et je crois qu'il y a d'autres trucs en plus, mais attends, je vais te dire exactement ce qu'elle a en plus la version collector. Budokai 3 collector.
C'est la version. Et en fait, tout dépend si t'as le jeu, parce que là on y joue sur PlayStation 2. Et si t'as le jeu, si t'as la compil HD qui est sortie sur PlayStation 3, de base, c'est la version collector qu'ils ont pris après dans toutes les. Dans toutes les rééditions de Budokai 3, ils ont repris la version collector dans toutes les éditions. Ah, change quoi la version collector? Je sais pas. Y'a pas un wiki ou une connerie comme ça? Ils disent pas. Putain, la musique. Au secours. Alors moi je me souviens qu'on y jouait, on coupait la musique et j'avais un CD. Que j'avais gravé des meilleurs OST de l'animé. Et je le jouais en même temps que qu'on lançait les parties, quoi. Et c'était magnifique. Putain, je trouve rien qui me dit ce qu'il y a en plus dans la version collector. Mais bref. Attends, peut-être là sur le site là. Taxe spéciale de côté. Enfin, compagnie du voix Nippon. La narration du mode histoire et les commentaires de menu profitent également des doublages d'origine. Pour le reste, le titre. Ouais, tout est identique sauf le doublage en fait. Ah, ils ont rajouté quelques costumes. Et voilà. Et sache que si tu as Budokai 3 sur PlayStation 2 et que tu as les voix japonaises, bah c'est la version collector. Qui était vendue dans un fourreau aussi à l'époque. J'ai entendu une tech de youtubeuse américaine qui m'a beaucoup fait rire. Any DB dubbing is good. It was bad at first 10 years ago because it didn't exist until then. Everybody had to learn. Ah bah c'est vrai que les premiers doublages d'animé en France, un peu catastrophique aussi quoi. Et on a dû attendre le début des années 2000, enfin la fin des années 90 et le début des années 2000 pour vraiment sortir des trucs cool quoi. Il est pas sorti sur Wii d'ailleurs ce jeu, j'en sais pas. Alors, je sais pas moi, je n'ai pas été une Wii personne. Et les bonus? Bien sûr on n'a pas les bonus. Va falloir réapprendre à jouer. Ça va être compliqué. Ah oui, puis il y a du leveling, c'est vrai, il y a du leveling. Wow. On va prendre le héros bien sûr. Y a pas de différence avec la jaquette pour dire que c'est une version différente signifie que c'est pas la même version. Ah ouais, je sais pas, peut-être. Je sais qu'il était dans un fourreau, mais Long, long ago. Ah putain, quelle horreur. Je sais pas si je vais tenir jusqu'où. Si, alors apparemment le dos de la jaquette est noir. Si, c'est écrit derrière la jaquette de la version collector. C'est une version collector. Mais après, peut-être que tu t'es fait. Et le CD, il ressemble à ça. La version collector, c'est ça. Voilà. Et le dos, il est comme ça. Voilà. Après j'ai en acheté un casse. Bah peut-être que c'est un mec qui a mis le CD de la version collector dans la version pas collector. Ouais bon ta gueule. Oui. On rappelle que les Ricains ils ont zappé Dragon Ball. Oh là là, en mode visual novel et tout. Ouais, je le caméra. Alors. Voilà. Toujours le système de capsule, hein, propre à ces jeux-là. À ces Budokai. Et surtout, voilà. Oh là là, quel banger tel. Bon, lui. Ah oui, c'est. Comment c'est. Ça, c'était. Au secours, quoi. Bon, maintenant, tous les. Voilà.
Maintenant, il y a Kakarot et tout ça, ils font pareil. Mais à l'origine, c'est ce jeu-là qui a lancé la mode du... Voilà, de l'exploration en volant au-dessus de la Terre. Chercher Gohan. Et puis, il y a des quêtes annexes, en fonction de... Comment on va à fond la caisse déjà ? Voilà. Par contre, la vue, c'est mieux à chier un peu. Et là, faut chercher le ki. Ah, oh, c'est chiant à se déplacer. Et voilà, des fois, il y a des trucs cachés que tu dois faire entre les... Et voilà, et une nouvelle capsule. Force de garde augmentée. Comment je vais dans les capsules ? Def technique. Ah, c'est un passif, donc je vais pas. Après, c'est galère un peu. Il y a même pas de map, il y a pas de map. Ah la vache, il y a pas de map. Et en appuyant sur d'accord. Turbo. Ah, si on peut bouger la cam quand même. Ah, c'est inversé la vue. Putain, c'est chiant. Il y a plus de... Non. Si. Putain, je suis gros de boutons. Excusez-moi. Ça me perturbe. Le gameplay me perturbe. On n'a pas encore fait de combat. Hein. Oui, je continue la partie. C'est bon, pas au zoo. C'est grand-père. Non. Ah là là. C'est l'origine de tout. Allez, champ de bataille. Et moi, j'ai adoré quand ils ont repris le principe dans Sparking Neo, donc le Budokai Tenkaichi 2. Ils ont repris le principe, mais c'était mieux. Le open world de ce jeu était incroyable à l'époque. Ouais, totalement. C'était pas un open world, mais c'était la sensation de liberté. C'était vraiment le... Le jeu Dragon Ball ultime. Alors comment on se bat ? Passer les coups de pied. Non. On pouvait se téléporter. Alors comment on se... Attends. Comment on recharge ? Tiens, bouffe ça. Ça va être compliqué, hein. On peut suivre... Ah putain, peut-être que je fasse un entraînement, en fait, je suis en train de me dire. Oh merde. Bon, je suis honnête, ça. Je vais faire un entraînement, je crois. Je sais pas s'il y a eu d'autres jeux Dragon Ball qui ont poussé le truc plus loin avec un open... Bah, il y a eu Kakarot. Récemment, c'est Kakarot qui a poussé le truc le plus loin, en fait. Et c'est, voilà, c'est le même truc, hein, monter de niveau... C'est vraiment... Kakarot, c'est un but de Kai 3 amélioré. Ah oui, puis on choisit où on met le... On va le mettre dans la santé. Tu peux pas le mettre dans la santé? Ah! En santé et en attaque. Avec des mots de passe encore, putain, là. Les mots de passe, les gens. On t'a pas de carte mémoire. Premier doublage animé que je trouve vraiment bon, c'est le Fullmetal Alchemist. Ah bah, comme oui, bien sûr. Alors attendez, je vais voir si je peux pas vomir dans ma bouche.
Bonsoir, bienvenue. Dr. Jones. Je me refais, faut que je me rafraîchisse la mer noire. Et si je commence à faire des... Hey, it's me, a world practicer. Entraînement. You may either practice. Let's hear you. Allô? Il ne parle pas bien. Ah mais si j'ai pas les trucs, je peux pas... Je vais faire normal alors du coup. Bah en fait c'était la période où les animés étaient récupérés par Canal+ et doublés par des comédiens de doublage un peu plus voilà un peu plus sérieux et enfin ceux du Club Dorothée d'AB Production étaient sérieux aussi mais ils prenaient pas trop ce que c'était les animés à l'époque quoi. Mais ouais, c'était tout ce qui passait sur Canal+, là, dans la case, tout ça et tout, les GTO, les FMA, il y avait plein, hein. Et c'était trop cool, et c'était trop bien doublé, et c'est ça qui m'a aussi relié avec, il y avait Excel Saga aussi, enfin, il y avait plein de trucs. Ah oui, c'est vrai, c'est des gens, dans les enchaînements de merde. J'avais oublié que c'était des enchaînements. Mais il y a des trucs de gameplay classique dont je me souviens plus, là. Ah, le Genki Dama, c'est... Alors, Kaioken, c'est ça ? What ? Ah, d'accord, c'est... Ah, mais d'accord. Comment il gueule ? Qu'est-ce que je déteste ? Ouais, ça c'est le combo de base. Bon. Comment on recharge son ki quoi. Hey, you okay? Ah. Ah, c'est... C'est X. Et l'arrière. Ah oui, c'est ça. Et après, il y a les barres, là, je sais plus. Là. What? Bon, alors ça, je me souviens plus. Et d'accord qu'il faut bien appuyer sur X à ce moment-là. Quoi. Et sinon il y a des poursuites là, comment on fait déjà les poursuites? C'est pareil, c'est il faut être en mode comme ça, non? Je sais plus comment on fait ça. Merde. Comment on fait les poursuites dans un jeu? Truc avec les Shifumi là. Bonsoir Fusion. Parce qu'ils ne le disent pas dans la liste des techniques. Peut-être que j'aille dans l'entraînement 2 du coup. L'entraînement 1 c'est peut-être l'entraînement libre et l'entraînement 2 c'est celui qui t'apprend vraiment les trucs. Ah, je sais. Ah bah on va déjà faire ça. Putain. Il
Les barres, j'arrive pas à les faire fonctionner sur émulation. Attends, t'as le jeu ou te... Ou tu l'as en émulation? Mais ça, c'est la barre de jeu. Non, mais ça, c'est bon. On n'est pas con non plus, ça va, merci. Après, faut m'expliquer. C'était très difficile. Alors que... Pourquoi ils foutent des tutos alors que on avait encore des livres avec comment on joue? Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais peut-être regarder. Non, on va faire les tutos. En plus, ça fait gagner des trucs. Et regarde, j'avais encore les trucs imprimés de comment on obtient les personnages, de comment on obtient des trucs bonus et tout, des trucs cachés et tout. Ah là là, c'est le bordel. Ah, puis en appuyant. Attends, il n'y a pas un truc genre. Faut les faire pousser. C'est les mini-jeux dans les écrans de chargement. Ah oui, putain, c'était trop bien ça. Oui. La PS2 rendu là. Ah mince. Après, ça peut encore se trouver pas trop cher des PS2. Ou ça peut même se réparer assez facilement, non? Parce que personne lit les manuels. Non, mais c'est vrai, on arrivait à l'époque où les tutos c'était de plus en plus in-game. Faut que je fasse quoi? J'ai pas lu ce qu'il fallait que je fasse. Ah d'accord. Bon app. On est là. Attends, je n'ai plus de frégerie, là. Et bah alors. La touche V, elle a toujours garde. Oh putain, la voix de Gohan quoi. Pourquoi il a la voix de Sonic, Gohan? Ça colle pas du tout. Changer de direction les attaques.
Mais moi, je veux... c'est pas ça que je veux apprendre, moi. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'en plus, aux États-Unis, Dragon Ball, ils ont vraiment fait de la merde avec, avec l'anime, quoi. Non seulement les doublages et les voix sont out of context, ils ont tous des voix comme ça parce que c'est des Rambo. Et en plus, ils ont refait toutes les zics, les merveilleuses OST de Shunsuke Kikuchi ont été remplacées par l'espèce d'électro-rock dégueulasse. Qui est assez raccord avec les musiques qu'on a dans ce jeu-là. Il faut imaginer qu'il y a des gens, pour eux, Dragon Ball, c'est musique à la con. C'est... Alors oui, Loki, j'ai compris, Gohan, oui. Voilà. C'est quoi le bouton pour parler? Ah bah d'accord. Ok, putain mais ta gueule. Comment on fait pour se relever? Putain y'a un lag. Ah putain ça va être chiant avec le lag. Ah, y'a plus. Ah, c'est avec la flèche de l'arrière, c'est pour ça que j'y arrivais pas, putain. Quel débile. Ça va être long les chapitres. Il y a tant de trucs que ça à apprendre. Je vais remplir l'écran. Allez. Je prends mes petites graines. Voilà, c'est très difficile. Oh, la voix de Vegeta, je la déteste. Comment on peut foirer un personnage à ce point, quoi? Merde. Attendez-moi. Voilà. Ah, ça, c'était trop stylé aussi. Le retour des batailles de rayons comme dans Budokai 2, comme dans Butonen 2. Et puis surtout les transformations, hein, comme dans Budokai 1. Oh là là, c'est tellement le pinacle. Oui. Donc ouais, nos soirées jeux vidéo à l'époque, c'est Budokai 3, Burnout 3, Mario Party, GoldenEye, Super Smash Bros. Et c'est à peu près tout. Ah ouais, c'est ça. C'est la transfo, c'est ça? Ah, c'est si compliqué. C'était trois boutons, d'accord. Je connais la musique sans avoir fait le jeu.
Bah moi les musiques j'en ai de très mauvais souvenirs, hein. Je les coupais hein, quand je jouais. Et je mettais les OST, les vrais OST. Quoi. J'aurais dû préparer ça pour ce soir moi. Oh putain la leçon du père quoi. Je me suis plus entraîné avec Piccolo et Krillin que... Putain mais tu t'attends à ce que... Parce que Kami-sama là il s'ambiance et tout, il commence à faire des petits pas de danse. Il est funky. Funky Kami. Funky funky Kami. Voilà, c'est comme ça qu'on nique ses sticks. Ah bah viens. Aïe, alors c'est, ouais, c'est un peu le truc dommage. Aïe, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Eh ben, d'accord. Tiens, je te fous un nion et tu vas essayer. Pourquoi je suis vidèle d'un coup là? Ça n'a pas de sens. J'aurais pu. Tiens. Attends, tu me bourres la gueule. Ah, faut laisser appuyer, d'accord. Je rappuie à chaque fois. C'est stylé aussi comme, comme esquive ça. Ouais, le truc qui était dommage, c'est qu'on pouvait pas vraiment voler comme on voulait. Pour voler, fallait repartir en arrière. Et aller vers le haut. J'ai retrouvé la track, c'est Twist of Fate. Mais non, mais ça, c'est Star Wars, ça. Ah. Alors, je crois que la TP, c'est flèche de l'avant et X, hein, je crois. Enfin, la TP. C'est pas une TP, c'est un déplacement rapide. Ça aussi, c'est... Les gens qui appellent ça la TP, et même dans les traductions, ils parlent de téléportation, mais c'est pas de la téléportation, c'est du déplacement rapide. Et on peut se TP sans attaquer aussi. C'est pas de la téléportation, arrêtez de dire de la merde. Ah voilà la poursuite. Une fois que tu as envoyé ton adversaire dans les airs, appuie immédiatement sur la touche E. Dans les airs, allez. Et putain pourquoi je... Ah, c'est Duel of the Fates. C'est Duel of Fates, oui, c'est ça. Oui. Twist of Fates. Oh, c'est celle-là que j'aime bien pour le moment. Toute funky, là. C'est complètement l'esprit du manga. Il y a que les Cybermen, là. Normalement, il y a aussi Goku qui bouffe, Gohan qui retire l'épée, Vegeta qui fait des pompes. Non? Ou c'est dans les autres? Et pas Yamcha qui fait les Sokidan aussi, ou je sais plus quoi. Ouais. D'accord, c'est les prises. Je me souviens plus. Il y a moyen de faire des enchaînements et tout, mais... Mais je me souviens vraiment plus de tout. Hein. Over here. Not bad. Not bad.
Enfin, ce riff de néo-métalleux là, putain, mais on a entendu ça des milliers de fois. C'est Limp Bizkit quoi. Il faut que je fasse quoi, j'ai pas vu. Putain, on va se faire manger la gueule. Le mec veut pas que... Voilà, c'est ça qu'il voulait que je fasse. Ishifumi. This training will prepare you for hot. Modipère les attaques ultimes. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Le mode diarrhée. Le mode constipation plutôt, parce qu'ils sont vraiment, vraiment tout rouges, tout énervés. Je suis passé en Saiyan 3, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi quand j'appuie ça marche pas? C'est pas le bon bouton? Ah, c'est ça, c'est la charge dragon. Ah, mais je crois qu'il faut que charger. Ah, oui, d'accord, ok, je crois que je suis en train de me souvenir. Faut se mettre en tout rouge et il faut faire deux fois la flèche de l'avant avec carré et triangle en même temps, non, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oh mon dieu, cette musique est affreuse. Ah non, une attaque poursuite. Voilà, ok, d'accord. C'était ça. Ça, c'était trop cool, ça. J'adorais ces passages. Tu finis par une ulti, normalement. Une technique qui était reprise dans les premiers jeux Saint Seiya, qui était aussi développée par Dreams. Ils se sont pas fait chier, ils ont repris quasiment le même gameplay hein, pour les Saint Seiya. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre dessus?
time has come to learn about. Ah, les objets. Ah ouais, on pouvait utiliser des objets. Je me souviens pas. J'aurais dû faire ça beaucoup. Tiri. Tiri. Ah si, d'accord, ok. Ah, la Bulma est modélisée, on peut même pas la jouer, c'est... Mais d'ailleurs on peut toujours pas jouer Bulma dans un jeu Dragon Ball alors qu'elle a, elle a de quoi se battre hein. Elle a toujours des guns, des trucs et tout. Et on joue Satan, on joue pas Bulma. Putain, j'espère qu'il y aura Bulma dans Sparking Zero. Merde, elle envoie Oolong attaquer des trucs comme ça et tout. Pareil Oolong, on joue jamais Oolong. Oh là là. Et clairement, Bulma pourrait, ouais, envoyer Oolong et Puer attaquer. Une technique top secrète, mais Yamcha! C'est toi qui... Ah oui, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, quand t'as pas d'objet, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Yamcha ridiculisé même dans les jeux vidéo. Ça c'est mon Dragon Ball ça. Pour le BBD, effet aléatoire activé à partir de 1. Voilà. Maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire. Il a la voix de Trump en fait, Kami-sama là, c'est ça qui me perturbe. J'ai l'impression que c'était Trump qui me parlait. Au secours. Voilà, maintenant on est prêt pour botter des culs. Et on reprend son gros cul. Et on rappelle que hein, tous ces mangas et animés, hein, ce sont des neketsu et pas des shonen. Comme ils disent tous là. Avec leur esprit shonen et tout, ils ont l'air cons. Faut dire l'esprit neketsu. Ok. Le prochain qui dit l'esprit shonen, je lui bourre la gueule. Je bourre la gueule de personne. Pour pas les gueules, moi. Uniquement dans les jeux. Bon, je me le refais. Ah. Ça va vite quand même, hein. Ça lag. Merde. Je vais esquiver sur le côté, mais il ne m'a pas permis. Bon, ça va un peu mieux déjà. Mais que des cyber. Voilà, comme ça, ça. Ah oui. J'ai un point red, comme ça je peux le mettre dans mon kiki. Comme ça. Ok, et maintenant il faut que je fasse quoi hein. Ça c'est un truc entraînement, on est d'accord.
Ah, j'étais sûr qu'il y avait une mini-map, moi. Merde, ma... Il m'a pris pour une meuf. Ah oui, arrête de draguer Yamcha, bouh. Qu'est-ce qu'il me donne? Vraiment, une unité de santé. Merci Yamcha. Oh, ah voilà un petit truc qui brille. De la thune. C'est comme ça que Goku gagne sa vie. Possibilité d'acheter des techniques chères, quoi. Oh bah. Ah, comme toi. De l'argent, Chichi va être contente. Ah. On va pas y aller. De l'argent, Chichi va être contente. Entraînement, un entraînement comme ça. Oh, c'est gratuit. C'est moi le produit. Non, on est dans la garde. On s'équilibre un petit peu. C'est bien. Gain d'XP gratos pour Karine. Il y a Jirobé l'enrobé. Ah, on est avec Gohan, d'accord, donc il faut que je l'emmène chez Kame, chez Kame Sénil. D'accord, bah, il faut que j'aille chez Kame Sénil. Temps de guerre augmenté. D'où l'importance de fouiller un peu. Ah, il y avait ça aussi, putain, j'avais oublié. Le palais de mamie baba. Tu vois le mec comment il a le regard déter alors qu'il va juste voir ses amis et qu'il montre son fils, tu sais. C'est mon fils. Dis bonjour Sangwan. Sinon je dégote la gueule. Ça va trop vite d'un coup. Où est-ce qu'il est? Ah, le vaisseau de Namek. Plein de trucs cachés partout. Hein. J'ai les sticks poisseux, merde. J'ai vu un truc qui brille. C'est pas un truc qui brille, hein? Ça Ah. C'est donc juste à côté de la maison qu'il y a. Hey, that's Goku's voice. Alors c'est lui qui a la voix de Krillin de Sonic oh, en fait. Did you take a babysitting job or... He's my son. What? Goku il a la voix de Scott Pilgrim. Krillin il a la voix de Sonic. Yeah. Gohan il a la voix d'un adolescent
enroué. Oh boy. Goku. D'accord, c'est tout. Fallait pas aller chez normalement c'est chez Tortue Géniale que ça se passe le délire. Chasse quoi? Ressemble qui? Je peux pas le maintenir. Bon, on va s'il faut. Eh merde, pourquoi je suis bloqué? D'accord. Faut se faire tous les Cybermen. Alors faut pas le laisser se suicider, faut le tuer, c'est ça? Il va y avoir une douille à la con. Si c'est marqué bâton ennemi, donc ça veut dire que comme je l'ai laissé se suicider, je l'ai pas battu. Une connerie comme ça. Je sais plus où c'est. Il n'y a pas de map, hein. Merde, merde, merde. Ça commence très mal, cette histoire. Oh. À tour muscle. Le village pingouin, non. C'est par où, putain? Je me suis paumé. Pourquoi y a pas de map? Moi j'étais persuadé qu'il y avait une map dans mon souvenir. C'est par là. Putain, je suis encore là? Quel enfer. Ça vaut le coup. Ah bah déjà. Mais il est pas censé enlever mon fils ou je sais pas quoi. Pas marché. Putain. Merde.
je peux appuyer sur le bon bouton. Petite boule pour être sûr. C'est pas fifou, hein. Allez. Allez. Ah d'accord. Mais du coup, c'était un combat aléatoire, on est d'accord en fait. Ou alors... Ou alors j'ai... Ah, j'ai débloqué un scénario aléatoire. Dans un scénario aléatoire, c'est ça. Comme j'ai fait le combat avant que Gohan se fasse enlever. Il peut pas me remonter mon ki lui encore. Enfin mon... Ah. C'est ça que je veux. Comment je fais pour savoir ça? Pour s'augmenter. Force de garde augmentée. Ah, ça prend tout, putain la vache. Oh non, on veut taper plus fort. Moi je veux taper plus fort. Ah. Super, je te mets rien. Oh, le Tenkai Shibidokai. T'avais pas vu? Eh mais je repasse tout le temps devant les mêmes trucs et je retrouve jamais ma maison. Quand ça commence à ramer du cul. Ouah, eh. Ouah. Ça commence à ramer du cul. Champ de bataille. Compliqué de trouver les spots. Moi je croyais qu'il y avait des trucs lumineux sur la map pour savoir où aller. Enfin sur le... Je ne savais pas que c'était aussi galère. Ah Guigui. Merde. Ouah, c'est ça. Ouah, ça me lag. Eh, hey, j'ai fait le... Et la TP, comme ils disent. Oh, il a cette distance.
Merde. Ah putain, il est en train de me la placer. Oh la vache. C'est très dynamique hein, quand même. Battu par suicide. Ça a l'air de changer grand chose. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme écran de chargement? On peut plus. Un écran, un chargement. Un écran, un chargement. D'accord. Donc c'est pas là. Ah. Ah bah c'est là ma maison. Où est Gohan? Piccolo a emmené Gohan. Je dois protéger le jeu de Gohan. A plus tard, GG. Tiens, j'ai fait à manger. Bouclier portatif. Dégâts des attaques de qui réduit. Pendant la seconde. Ok, je vais où moi? Je peux vaincre les méchants. Merci. Ah, qu'est-ce que... C'est très gentil. Je où tu sais pas aller. C'est je où tu sais pas où aller. C'est je où tu sais pas où aller. C'est je où tu sais pas. Où aller? C'est un peu abusé quand même. Putain! Appuie sur le bouton de merde! Oh, mais je me souviens pas que c'était aussi chiant quoi! C'est sûr qu'il y a pas. Putain de. Ah, carte! Oh! Ah bah voilà! Putain, je me disais bien. Putain, il fallait rien. Il fallait. Descendre là. Ils ont pas tenu sur le même écran. Putain, je me disais bien qu'il y avait une putain de carte. Oh. Ah. Attends, vas-y. Stick qui colle, c'est un truc de fou. Ah oui d'accord, donc il est quand même mort et il se torche avec le scénario. Kaioke. Ah. Ah oui c'est le temps que... C'est parce qu'il faut que je... Oui. Dev tes techniques. Eh bien je vais mettre le Kaiokan. Voilà. Et c'est tout. Allez. Ouf. Et premier jeu Dragon Ball avec un nombre de personnages incroyable. Je crois qu'il y en a une quarantaine, un truc comme ça. C'est aussi ça, ce jeu. Hein. C'est les personnages, les OAV, c'est plein de trucs. C'est... Et le premier est trop si complet. Hein. Après Dragon Ball Legends, bien sûr, sur PlayStation et Saturn. Un petit combo basique pour commencer.
Showtime! Merde. Oh. Ça t'a un peu explosé à la gueule, j'ai l'impression, mon gars. Je suis pas loin de la fatigue, j'ai le petit gugus jaune. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ça... Tempête de boulettes géantes. Oh merde. Comment on fait ce truc? Putain, j'y arrive pas. Je sais qu'il faut appuyer quand la barre elle est pile poil avant la fin pour les... Ça, je... J'avais aucun souci à l'époque de ça. J'appuie sur rond, j'aurais peut-être dû appuyer sur rond, merde. Oh, heureusement que j'ai pas appuyé sur rond. Et merde. Ah, il est malin. Hein. On sait pas. Dans capacité, je sais plus à quoi ça correspond. Attendez, je vais regarder dans le livret à quoi ça correspond les trucs. Entraînement, les options. Monde du dragon, santé. Alors, capacité à rendre les capsules et objets utilisés plus efficaces, ouais. Augmenter les dégâts que ton personnage inflige avec une attaque spéciale pour le style. Ah, c'est ça qu'on a. Le CPU, on s'en bat les couilles. I don't believe it. His fighting days are over, and that's one down. Oh là là, sors du truc, je veux y jouer en japonais ce jeu. Goku, can't we go somewhere else? Wish them back. Krillin, does that mean... Cette voix au secours. Attendons Vegeta, ça va vraiment être pire que tout. Ah, on peut s'entraîner là. Un coin d'entraînement. Et c'est des Saiyaman encore, c'est ça? C'est tout le temps que des Saiyaman, je crois. Pip 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 pip. En appuyant sur un bouton, ça marche pas aussi? Non, il faut vraiment tourner le joystick. Ah, c'est quand on tourne le joystick? Ouais, et si, d'accord, c'est parce que, ouais, ok, d'accord, c'est sûr. Ah, ça marche pas. Ah, il est mort quand même. Eh, c'est gratuit, voilà, super, niveau sup. On va mettre en santé. La montagne rocheuse. Allez. C'est l'heure de la lutte des classes. I'm
I'm going to enjoy taking my time with cette you, voix. Kakarot. Cette voix, il va chier. We'll see about... C'est vraiment le pire casse de Vegeta. Vegeta et Piccolo, ils sont horribles. Merci, Enrique. Voilà, reste à terre. Merde. Oh tiens. Tellement stylé ça aussi. Ah non, j'ai raté mon coup. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est sympa aussi. Allez. Ah, c'est toujours très dynamique, hein. Ça a bien vieilli, hein, quand même. Merde. Ah. Ça a bien vieilli. Même si je serais curieux de savoir ce que ça donne en HD. Et en japonais. Surtout. But how? I am the prince of all Saiyans, humbled by a clown. Oh, c'est beau. Je comprends pas qu'il y ait des ricains, enfin. Je comprends pas que les ricains ils soient fans de Dragon Ball avec la version qu'ils ont vue, quoi. Surtout qu'ils sont fans de leur version, quoi. C'est ça le pire. C'est... C'est limite une réadaptation, hein, ce qu'ils ont eu.